profiter de cet endroit paisible pour travailler les voies. Alors, les voies, sachez une chose, c'est que lorsque vous allez travailler votre voix, c'est-à-dire que vous allez parler dans le didgeridoo en même temps que vous jouez ou chantez comme vous voulez, il va se passer un phénomène, c'est que le diaphragme, lui, va prendre deux fonctions. La première, ça va être de tout simplement fournir de l'air pour le didgeridoo. Voilà, donc il va pousser les poumons et vous allez obtenir ainsi la vibration que vous connaissez. Deuxièmement, c'est que le diaphragme va appuyer les cordes vocales, c'est-à-dire qu'il va épauler les cordes vocales de façon à maintenir la voix sur un niveau, on va dire, juste, correct. Alors que si je travaille simplement avec la gorge, ma voix va être faible et très fragile, quoi. Alors qu'avec le diaphragme, voilà, le diaphragme, lui, va aider tout ça, ce qui va donner de la consistance, de la matière à votre voix, quoi. Alors, pour cela, nous allons travailler sur trois étapes. Comprendre, la première étape, c'est la profondeur. La profondeur, c'est tout simplement à savoir que lorsque la personne va vous écouter, jouer, est-ce qu'elle va avoir l'impression que la voix que vous avez mise dans votre jeu vient de devant elle, ou on va donner une image un peu, on va dire, de derrière la forêt. Alors, pour cette étape-là, qui est la profondeur, il va falloir contrôler trois fonctions. La première, ça va être le volume de la note du didgeridoo, c'est-à-dire le volume plus ou moins fort de la note fondamentale. Exemple, tout de suite. La note à contrôler plus ou moins forte. Deuxième fonction à contrôler, ça va être le volume de la voix, à savoir si on va la mettre plus ou moins forte. Troisième fonction, ça va être les joues gonflées ou serrées, ce qui va donner cette notion de profondeur. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir les joues gonflées, le son va venir dans la bouche, caisse de résonance, c'est ce qui va permettre de lui donner cette notion de derrière la forêt, et si je serre les joues, la voix va paraître vraiment devant. Deuxième étape, la tonalité, à savoir si avec ma voix je vais aller vers les aigus, jusqu'où je peux aller vers les aigus, et après dans les graves, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller dans les graves. Donc pour ça, je vais prendre ma voix à peu près, on va dire, à la tonalité à laquelle je parle. Et je vais m'amuser à monter au maximum, de façon à voir jusqu'où je peux aller. Et une fois de plus, c'est prendre connaissance avec soi-même, avec ses cordes vocales, à savoir où se trouve la limite de travail, de façon après à ne pas m'abîmer les cordes vocales. Faites bien attention à ça. Quand vous monterez dans les aigus,
faites attention de ne pas vous égosiller, de ne pas vous faire mal aux cordes vocales, parce qu'après, on aura du mal à parler. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant dans les graves tester la même chose. Alors, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir que avec mon instrument, je vais pouvoir, on va dire, communiquer avec lui, parce que je vais rencontrer sa note à lui. Par exemple, lui, c'est un si. Moi, quand je vais descendre ma voix, fa, mi, ré, do, si, vous voyez, et je vais rencontrer donc sa fréquence, ce qui veut dire que les deux fréquences vont se croiser, ce qui va créer une fréquence supplémentaire qui va faire bop, 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 bop. Et vous allez voir qu'il est quand même assez agréable quand on joue et quand on l'entend. Mais surtout en tant que joueur, c'est agréable parce que tout notre crâne vibre et c'est vraiment intéressant. Bien sûr, vous avez remarqué que la fréquence au départ est... C'est quand les deux notes rentrent en phase, qu'elles sont exactement au même niveau, à la même fréquence. Et après, je descends la note de ma voix, la fréquence, vous savez comment c'est fait une fréquence. Et bien, du coup, ben, la note se remet à la vibrer plus vite et sortir de la fréquence. Maintenant, nous allons travailler la troisième phase qui va être les effets. C'est-à-dire les effets, c'est-à-dire par exemple sur les voix aiguës, comment je vais pouvoir décrocher ma voix aiguë d'une façon sèche et rapide, qui va pouvoir peut-être étonner quelques-uns, mais qui reste quand même assez efficace, à savoir les différents effets que l'on veut ajouter. Alors soit ma voix aiguë, je viens l'amener de façon progressive, ou alors je peux la décrocher en prononçant des consonnes qui sont par exemple le K et le T. Cou, 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 cou. Et à partir de là, vous allez pouvoir aussi reconnaître certains cris d'animaux, comme le koukaboura, etc. Et pour l'instant, on va simplement travailler ça. Bien démarrer le K au fond de la gorge. Cou, 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 cou. Suivi de n'importe quelle voyelle, on va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant même chose avec le T. Maintenant pour les voix graves, l'équivalent du K que j'avais sur la voix aiguë, l'équivalent en grave sur la voix grave va être le G, le son G, qui va être un son qui fait que la gorge va s'élargir. G, 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 G. Et à partir de là, vous allez voir, c'est assez adéquat. Les deux vont bien ensemble en fait. L'équivalent du T pour les voix aiguës, sur les voix graves, ça va être le D, 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 D. Alors, da, de, di, do, du, après on y met la voyelle que l'on veut, à votre guise. Alors si maintenant je commence à mixer tout ça, par exemple sur les voix aiguës, si je fais K, T, K, T, koutou, 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 vous allez voir, si j'accélère et que je commence à joindre les voyelles, pardon, les consonnes, ça va être assez intéressant.
voix graves, pareil en gueux et deux. Maintenant, nous allons voir le flat. Alors, ce que j'appelle le flat, c'est un terme que l'on emploie dans les instruments avant. Le flat, c'est soit un raclement de gorge, ou soit un roulement de langue dans la bouche. Alors, pour les gens qui n'arrivent pas à faire ce roulement, curvez votre langue vers le palais et soufflez de façon déjà douce, et puis après de plus en plus progressive, de façon à voir un petit peu ce que, au moment où vous obtiendrez la vibration. Voilà, voyons ce que ça donne en jouant. Alors, ce flat, il faut savoir une chose, c'est qu'on peut l'accélérer, le rendre plus rapide ou plus doux. Maintenant, en y ajoutant une voix, aiguë cette fois-ci, je peux aussi ajouter une grave, mais là... Bon, là, vous êtes aperçu que j'ai fait les deux. Hein. Maintenant, nous allons voir une étape supplémentaire. C'était le petit cadeau. Ça va être la superposition de tous ces éléments. Sachez que ces éléments, on va pouvoir les superposer un par un, de façon à voir si l'on maîtrise cette technique, en fait. Ce qui est sympathique, c'est de comprendre que à partir du moment où on met un élément, par exemple la note fondamentale, et qu'après, lorsque je l'ai décidé, je mets une voix plus par exemple le flat, ben, c'est ce qui va déterminer le contrôle de mon instrument et de moi-même, de la technique. Donc, exemple, note fondamentale, ou bourdonnement comme vous voulez, plus dessus je vais rajouter le flat, le roulé de langue, plus la voix. Et après je vais les renlever un par un. Maintenant, on peut chercher aussi autre chose. Par exemple, note fondamentale, voix aiguë, plus après, ma sinusoïde que j'ai dans mon cours sur les harmoniques, OUIU. Même chose en grave, note fondamentale, voix grave ou UIU. Voilà. On peut imaginer toutes sortes d'exercices comme ça, joue gonflé, joue serré, la voix plus ou moins forte. On peut aussi, par exemple, tiens, tout de suite comme ça à improviser, note droite, voix aiguë, j'enlève la note du didgeridoo, ce qui veut dire qu'il n'y a que la voix qui va rester, et puis
je remets ma note fondamentale. Donc après, j'enlève la voix, il ne restera plus que la note fondamentale. Vraiment, tout est possible. Donc, à vous de jouer avec tout ça, de vous faire plaisir et de chercher aussi de créer, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et amusez-vous bien. Bonjour. Nous allons profiter de cet endroit calme et paisible au bord de cette rivière qui est la Baron Falls. On recommence. Fondu enchaîné sur le décor. Voilà, et au moment où il n'y a plus de soleil. Soleil. Allez, fondu enchaîné. Bonjour, alors nous allons travailler les voies. Bonjour, nous allons profiter de cet endroit paisible pour travailler les voies.